La famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. C'est votre Gariad comme d'habitude. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit vlog sympathique, sympatoche des familles. Déjà, toujours, c'est le ramadan, ça bouge pas, tu connais. Bon, vous allez me suivre durant cette journée. On va voir ce qui va se passer. C'est parti. Je suis content. T'as vu quoi, quand tu te lèves tôt le matin, hein, il fait bon, ça c'est les ambiances, t'as vu? À l'ancienne, quand t'allais à l'école et que t'allais en t-shirt short, tu prenais un sac à dos et dedans il y avait que ta trousse. Tu savais toute la journée t'allais jouer soit à des jeux, soit regarder des films. Et ça, c'était la meilleure époque. Dis même pas le contraire. Fais chaud qu'aujourd'hui ça va être une belle journée, non? Ça va être une belle journée, non? Regarde comment t'es beau, wesh. Fais-moi comment t'es frais, wesh. En fait, heureusement que t'as pas de dégradé. Tu vas surpasser tous les rebuts de France. Et c'est quoi cette mèche qui tombe? Espèce de beau gosse, va. Bonjour. Salut. Salut, ça va? Ça va? Eh les gars, Ariad il devait se marier, sa meuf elle a dit non. Voilà, il devait se marier, sa meuf elle a dit non. Tiens, je te le rends. Espèce de menteur. Eh les gars, n'écoutez pas, ça s'est pas passé comme ça. Espèce de menteur, va. Pascal, si tu veux passer dans mon vlog, tu veux dire un petit mot. Alors, on est au Maroc avec Riyad. Ça n'a rien à voir là, ça aucun sens ce que vous racontez. Vas-y, remets la caméra vers moi. Le mec il veut me... Ah, donne-moi ça. Le mec il veut me filmer et après il se barre et il fait ça. Ouais, voilà, super. C'est quoi ce caméraman là? Donc, tais-toi. Tu laisses tout ça, j'espère. Je vais laisser. Voilà, c'est bien. Donc je suis avec Riyad. Et on est quelques pas et il fait froid. Ouais. Donc en fait on est pas au Maroc parce que Riyad c'est son prénom. Allez. Salut tout le monde les gens. Et là il est calme. Salut tout le monde les gens. Ok d'accord, j'ai capté l'agressivité. Est-ce que vous voulez détendre l'atmosphère après ce que Pascal vient de dire ou pas? Parle bien. Non, je vous protège. Donc si quelqu'un vous fait du mal, vous me dites. Ouais, il voilà. Casser la gueule. Ouais. Mais moi j'ai rêvé. Moi je suis tranquille depuis tout à l'heure. Tout le monde attrape ma veste. Rien si ce n'est que je vais passer une journée en collant. D'ailleurs c'est le tien. Ouais, c'est le mien. C'est le perso, c'est le tien perso. Par contre en vrai c'est des bons, ils ont acheté des collants rien que pour nous. Je pensais on allait utiliser le matériel du club. Comment il chlingue sa mère. Par contre les gars, juste les gars deux secondes. Dinor s'il te plaît, Dinor, oh, je te parle, c'est quoi ça? Arrête, commence pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu me retires ça, Regarde-toi, vas-y, regarde. Arrêtez là, je suis en train de m'habiller là. Pourquoi Maro lui, il en a pas eu du coup? Mais en fait, moi je suis né dans le mauvais corps de base. Non, si, je savais si, pas, si. Je suis désolé, je vais pas te faire. Y'a pas de problème, En fait, je m'appelle Samantha de base. Gros, je te filmais. J'ai voulu filmer Dwight, j'ai dû faire. Et toi aussi, tu pensais pas qu'il était aussi petit en vrai? Gros, je vais pas faire le mec, hein. Non, mais toi, tout le monde sait que t'es vraiment dans la catégorie moins d'un mètre 60. T'as un peu plus quand même. Non, un peu moins. Mais je t'ai dit, je suis né dans le mauvais corps, frère. Attends, on va écouter ça. On envoie sur Michou, tu réceptionnes, tu temporises et dès que t'as direct, soit direct à l'avant, soit tu passes par le central si c'est libéré. Riyad toujours devant. Toujours devant. Et on fait quoi de Samantha? Dès que quelqu'un a besoin de souffler, tu rentres et t'essaies de faire le mieux possible. Et dès que le gars est reposé, tu ressors. Toi, c'est ta strat. Toi, y'a que ça à retenir. Ça, oui. Ça va? Oui, donc bon. il reste. S'il dit non, ça va? Non, je rentre. Parfait. C'est quoi le but là? Qu'est-ce qu'on fait? Le but, on fait une course. De là jusqu'à là. Y'a quoi? Y'a quoi à gagner? 30 000 euros à gagner. Encore? Allez-retour. Allez-retour, frérot. Allez-retour. Je donne le top départ. Vas-y. Donne le top départ. Il laisse du suspense. Top. Vas-y, ça attend. Petit bilan de ce match. Match exceptionnel, équipe exceptionnelle, adversaire pas ouf, mais moment exceptionnel. Bien joué les rouges, on a bien de ça. Alors Riyad par contre... Qu'est-ce qu'il y a après? Donne-moi la caméra. Donc tu disais quoi par rapport aux rouges? Non mais c'était quoi ton message par rapport aux rouges? Bien joué les rouges t'as dit? Les rouges, on a gagné, vamos! C'est qu'il y croit vraiment, là il pense vamos vraiment. Eh hey, mon gars, t'as assuré mon gars. C'est dans mon maillot si tu veux. Ah merci. Ok, on est fair-play. Tu nous lâches dans les moments difficiles, c'est pas bien ça. Les gars, les rouges, incroyable cette expérience, merci. C'est pas possible, oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas rouge, t'es bleu, t'as perdu rien. Ah, il prend l'accent du sud. Donc la famille, on est en direct de l'aéroport, direction un endroit un peu particulier. Je vous dis pas encore où je vais, mais vous allez savoir très très rapidement. On y va, c'est parti. Mon vol, il est à 9h15 et il est 7h30. Oh, je suis en Algérie ou quoi, frérot? 2 heures d'avance, t'as vu ça? Frère, je vais juste en France, hein. Je vais à côté là, je vais à un truc à côté, hein. J'ai une heure de vol, c'est tout. Ah, cappuccino, cadet! Ah, venez, vous allez les aider à faire à manger parce que c'est pas quoi aux femmes de faire à manger. Hein. Lave-toi les mains avant, cadet! Ouais, c'est vrai, mais voilà, c'est. Je quand même! Ah, mais les filles vont me déranger, à votre avis, hein, cappuccino et cadet ou pas? Ils vont me déranger, non? Vous êtes virés, tu vois. Franchement! C'est juste laver les mains. Je sais même pas qu'on lave mes mains.
Tu fais le ramadan? Et c'est quoi ça? Des médicaments. C'est des médicaments pour quoi ça? Pour quand on est malade. Ah, t'es malade? Et j'avais mal au ventre et après j'ai vomi. Ok, intéressant. J'aimerais savoir mon frère, tu fais le ramadan aujourd'hui ou pas? Non. Pourquoi? J'ai des problèmes. C'est vrai? Ouais, ok. Regarde, t'es pas sérieux? Voilà. T'as vu de boîte là. Et donc tu... Attends, tu boites? Du coup tu fais pas le ramadan? Je fais pas. Tu fais pas le ramadan? Parce qu'il boite. J'ai rien de marre de polémiquer avec lui. Dans la vie, on fait des erreurs. Et dans la vie, on fait des erreurs conscientes. Il a dit qu'il fait pas le ramadan parce qu'il a mal au petit doigt de pied. C'est énorme. Non, au deuxième, c'est au gros. C'est comment là, c'est, on va où là? Non, on va au quartier là. Il est déjà venu une fois, mais là, il va venir. Pendant le ramadan, c'est mieux. Et ça, on va découvrir tout ça là pendant ce mois de ramadan. Oh, mais c'est bon, là. On l'appelle Rachid, les tétons les plus poilus de France. Regarde les abdos, c'est pas un truc de ouf. La tête de ma mère, c'est un truc de ouf. Et là, zoom, les tétons les plus poilus de France. Ma mère. En fait ici tu peux croire que tout le monde fait le ramadan, t'as capté, sauf que non. Toi tu fais le ramadan ou pas? Non. Hein? Non. Toi tu fais pas le ramadan? Non. Pourquoi tu fais pas le ramadan? Je suis gitan. Ah oui, parce que ah oui, dans ce quartier là il y a les gitans aussi qui vivent. C'est-à-dire c'est la cohabitation entre les arabes et les gitans, c'est ça? Ouais. Et t'as un truc à vendre ou pas aujourd'hui? Non. T'as rien à vendre aujourd'hui? Devant Dieu. C'est bizarre ça d'ailleurs, t'as toujours un truc à vendre normalement. Un matin je fais nuit blanche, du coup je décide de venir au quartier avec Tourcoing et je me dis j'ai 1 500 € dans la sacoche, pourquoi pas faire une surprise au quartier et leur donner un billet de 50 chacun dans les boîtes aux lettres. C'est pas mal ça quand même. Et il est venu, il a dit quoi? Il a dit Nas, je veux participer avec toi, Yazi. Il est venu avec moi, du coup moi je fais toutes les boîtes aux lettres, je rentre chez moi, je dors. Je me réveille, j'ai appris que monsieur a pris un tournevis et juste non. Derrière moi il est parti non. Récupérer les 1 500 €. C'est vrai. Fait ça quand même. Mais pourquoi t'as fait ça? Ah, non, ça me tape pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent. Mais tu aurais pris 200 ou 150, pas 1 500 €. Voilà. Bon, l'équipe, là, c'est bientôt l'heure de couper. C'est impressionnant. Il y a presque plus personne dehors. Tout le monde est rentré. Merci, frérot. Voilà, merci. Bon, l'équipe, ça y est, c'est l'heure de couper. Ça va, toi, comme les gars. Ça a coupé, ça a mis la musique direct. Regarde, viens voir, comment il le coupe. Regarde, il coupe comment son ramadan. Petit message pour les personnes qui ont passé le ramadan aujourd'hui. Franchement, bon ramadan pour vous. La salade, c'est la plus importante. Voilà, j'ai été faire la salade. Et je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Merci. Merci à toi aussi. Merci, frère. Je t'aime. Je t'aime aussi, frère. Mais je t'aime plus que toi. Moi, je t'aime plus que toi. Non, moi, je le sais pas. Toi, tu le sais que je t'aime. Mais moi, tu sais que je t'aime aussi. Non, je sais pas. Mais si, maintenant, je te dis que je t'aime aussi. Mais montre-le-moi, moi je le montre. C'est vrai, c'est ça. Petit freestyle exclusif ou pas? C'est que pour Justin Bieber. La bœuf, elle rend fou les gens. Elle rend fou les gens, la bœuf. Elle rend fou les gens. Elle rend fou les gens. Smokey de vie, yeah. Smokey de vie, yeah. Yeah, 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 yeah. Smokey de vie, yeah. Smokey de vie, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh, c'est pas mal. Le cappuccino in the house, motherfucker. Nas, quel programme? Là, on va aller, petite session coiffeur, t'as capté? Je sais pas si je fais rose ou pas. Rose? Voilà. Attends. Toi aussi, tu veux faire rose? Bien sûr, je vais enlever ça et je vais faire rose. Bon, la bif, tiens sur le coiffeur. On va tous se faire les cheveux roses. Hein? La capuche. On est en direct avec le frérot. On l'appelle Moustache. Je vous laisse deviner pourquoi. Tu le dis quoi? C'est officiellement la moustache la plus longue d'Europe. Covid, cours vite. Mets ton masque et tes gants, cours vite. Covid, cours vite. Mets ton masque et tes gants, cours vite. Cours madame. Oh, la police avec la kshta. Oh, t'as raté une zarboula là. T'as vu, j'ai. Là, t'as raté une zarboula là. Les refs, il est actuellement. Il est quelle heure? Je sais même pas il est quelle heure. 5h33. Mais on arrête à 39, ça veut dire il reste 6 minutes exactement. Et qu'est-ce que tu vas faire durant ces 6 dernières minutes? Ah mon frère, les dernières 3 petits tas pour l'inspiration des rêves. Ouh, scui. T'es sûr que c'est à 39? Ouais, 39. T'es ouais, sûr? Ouais, Perpignan à 39, Muslim Pro. Muslim Pro, man. Je vais vérifier si c'est bien 39. C'est à quelle heure qu'on... C'est à quelle heure qu'on arrête de couper? Là, dans 10 minutes là. Non, dans 6 minutes. Attends. C'est quoi l'heure exacte? C'est frérot, moi, je sais pas. 53 ou 39? 41. Mais tu vois, tu sais 53 tout à l'heure. Attends, hey, Capotino, pourquoi t'as eu 39? 39, Muslim Pro. Moi, Magadji, il m'a dit que tu t'arrêtes dans 10 minutes. C'est quelle heure? 39. Ouais. Ce que j'ai vu. Nasser, tu m'as dit que t'as dit 53. Moi, ouais, il m'a dit 53, je reste sur 53. Après, il nous dit des TPC. Moi, j'ai regardé sur mon application, c'était écrit 42. Mais les frères, faut qu'on s'accorde sur quelque chose. 41. Toi, t'arrêtes à 41? Ouais. Toi, t'arrêtes à quelle heure? 53. 4B, t'arrêtes à quelle heure? Quand il arrête lui, j'arrête pas. Et la plupart, c'est simple, c'est quand j'arrête pas. À quelle heure on arrête?
6h, on laisse 7h. Allez, meuf. Salut les gars, à tout à l'heure. Tu vas où? J'ai un rendez-vous maintenant. À 5h37. Un rendez-vous pro maintenant. Un rendez-vous pro, ok. Prochain tir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est fini, frérot. Tu fais le ramadan ou pas? Oui, je le fais. Mais pourquoi tu manges? C'est bon, j'ai arrêté. C'est bon, c'est fini. C'est bon, je vais poser ça. Vas-y, je te surveille. Arrête, je t'ai vu, je t'ai vu. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Il va fumer. Voilà, c'est un mongolien, voilà. C'est la vérité, moi je suis choqué. Voilà, Mif, ça y est, fin du séjour à Perpignan. On a passé une bonne petite journée avec toute l'équipe là. Là, on rentre à Paris. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite journée ramadan. Voilà, là, on rentre à la maison, on va retrouver la famille, ça va faire plaisir. Et voilà, l'équipe, on est arrivé. Charles de Gaulle, on rentre à la maison. Ça fait 2 jours, j'ai le même pull. Oui, oui. Oui, oui. Je me suis douché, mais j'ai remis le même pull. Oui, oui. Et c'est pas crasseux de faire ça. Normaliser le fait de mettre 2 fois les mêmes vêtements, 2 fois après. Enfin, t'as capté, je suis fatigué. Ramadan. Vous savez, c'était le ramadan. On a coupé dans l'avion. T'as déjà coupé ton ramadan dans l'avion, frère? C'est hardcore, hein. Ça va, sinon. Ça manquait. Ouais. Oh, enfin. Bon, les gars. À la maison. Ça y est, je suis chez moi. Je suis dans mon lit actuellement. Je suis chaos technique, là. Je suis mort. Juste pour vous dire, le vlog est fini. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment regardant cette petite vidéo. Juste pour vous rappeler le concept de la vidéo de ce week-end. Parce que là, c'est le vlog qui sort, là. Ce week-end, il y a une autre vidéo qui sort. Et dans cette vidéo, moi et Nasdas, on joue à FIFA. Et celui qui perd, il va mettre une carte de crédit avec soit 10 000, soit 15 000 euros sur son compte Snap. Et vous pourrez utiliser avec tous les codes. Donc vous pourrez acheter tout ce que vous voulez, en fait. Avec 15 000 ou 10 000 euros de cadeaux, vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, la vidéo sort samedi. Samedi midi, il me semble. Donc voilà, je vous attends au rendez-vous. Donc voilà, la famille. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Faites attention à vous. Plein de bisous. J'ai kiffé la vidéo, 15 000 euros. Dès qu'elle sort, à la première seconde, j'ai vu jouer, moi. Allez, la famille. Plein de bisous à vous. On est ensemble. On est ensemble. Allez, bisous, la bif.